côte. La côte. On jette un œil au petit cala au passage. On va dire au revoir à Mineur bientôt. Ouais. C'était comme ça planifié. On va arriver au bout de l'île, vers le phare. Et on va traverser. Beau bateau, hein. Il est classe. Et on va venir prendre cette voie là pour rentrer en voie arrière sur la côte espagnole, par là. On va faire ça à ça. Alors ça c'est des pyramides d'Alayot. Les dauphins, les baleines, les bicéphales, ou les dauphins de ruisseau. Il y a plein de choses à voir. On a vu des cétacés tout à l'heure, c'était des petites baleines. C'est quand c'est moi. On va se renseigner, on sait pas ce que c'était. Tu penses que c'était quoi? Quoi, les baleines? Ouais. Je sais pas. Ça faisait 8 mètres de long.
espèces. L'autre fois, on a cru que c'était des globicéphales, et en fait, en regardant sur un livre, on a vu que c'était des dauphins de Rissau. Quand on est arrivé à Rissau, quand on est arrivé à Binorc. Voilà, on a de la chance, on croise quand même pas mal de choses. Donc on guette, ça va regarder. Et Ben, il guette aussi, hein. Il guette les dauphins, Ben. Ce sont des cachalots, reconnaissables par leur couleur gris foncé, leur aileron dorsal postérieur assez triangulaire et aplati, ainsi que leur souffle de moins de 2 mètres, propulsé en forme de buisson et incliné sur la gauche. Le cachalot fait partie des 8 espèces communes en Méditerranée et sa présence y est avérée depuis longtemps. Sachant qu'il passe les 3/4 de son temps sous l'eau, c'est encore un vrai coup de chance et un privilège d'avoir croisé leur route en surface et si proche du bateau. La mer s'est montée, le chinois apparemment a déchiré. On est un peu dans la tempête. Je me suis réfugié dans la cabine parce que c'est impressionnant. À l'extérieur, je suis couchée, je ne tiens que coucher parce qu'il faudra assez longtemps que ça. Voilà, c'était pour vous montrer aussi ce qu'on vit à la voile. Il y a du beau et. Et puis moi, c'est sportif. J'ai fait le bord de mer, mais on peut brasser. Ben est dehors, il a mis le gilet de sauvetage.
c'est mieux, c'est avec les maxillas, c'est jamais. Je sais pas si vous entendez, mais ça tape. Je suis dans la cabine avant, moi. Je fais des petits bons. Voilà. J'espère qu'on va arriver à se mettre rapidement à la fin. Pas trop traverser là pour vous montrer, mais on voit pas l'extérieur, c'est contre-jour. Ça bouge pas mal, hein. On arrive à Port-le-Cat à la voile. Et un petit moment là, ici, entre 6 et 7 minutes. Ça va faire du bien de se poser. On espère pouvoir se rentrer dans la place. Il y a un peu de vent. Nous arrivons à Port-le-Cat. Eh bien, ce fut riche en émotions cet été. Rencontre magique avec de nombreux cétacés. Une météo pas toujours facile, orageuse et capricieuse. Il a bien fallu s'adapter. Séquence émotion aussi avec nos amis équipage de Quark qui faisaient leur première expérience de voyage à bord de leur voilier. Comme on dit, le bonheur est plus grand quand il est partagé. Et vous, Moussaillon, vous qui nous suivez si nombreux, nous tenions à vous remercier pour vos gentils messages et soutiens. Un peu inattendu pour nous. Et nous serons heureux de vous retrouver bientôt sur notre chaîne. Alors, si ce n'est déjà fait, abonne-toi Moussaillon et active la cloche pour ne pas rater l'embarquement à bord de Sargassy pour les prochaines destinations Méditerranée. À bientôt. I've been on a vibe, kinda hard to describe.